Mon parcours dans l'alternance débute en maison familiale rurale, donc en bac pro commerce à Vieux-Morgon, où j'ai réussi, grâce à mes différents stages de première année, à obtenir mon apprentissage chez Darty, où j'ai continué sur 5 ans, puisque ensuite je suis allé en DUT technique de commercialisation, donc à Grenoble. Et je me suis arrêté un peu une année pour partir à l'étranger pour pouvoir faire des études et pour apprendre l'anglais surtout. Et ensuite j'ai repris une licence en école de commerce où du coup j'ai fini chez Adecco. Ils m'ont dit que j'avais un parcours qui était atypique parce que déjà j'ai 5 ans d'apprentissage chez Darty alors que j'ai que 23 ans. Donc du coup effectivement ça a été un point positif. Avec le recul, je porte un regard très positif sur les maisons familiales. Parce que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup donné confiance en moi aussi, parce qu'ils sont là pour vraiment nous donner confiance et nous aider tout au long de nos 3 ans. Même quand on n'est pas toujours à l'aise, ils essaient de nous expliquer le pourquoi du comment. Ils vont vraiment nous chercher, ils vont aussi jusqu'au bout pour essayer de nous chercher, donc se donner le meilleur de nous-mêmes. Si j'avais un conseil à donner à un élève qui rentre en MFR, ce serait que déjà tout est possible.